Mesdames et messieurs, bonjour, chers compatriotes, chers membres de RDC Monde. Nous sommes aujourd'hui 30 janvier 2021, nous sommes ici à Genève. Il s'agit de quoi? L'année dernière, Mama Pauline, la présidente de l'association RDC Monde, vous a dressé le bilan et l'état des comptes de l'association RDC Monde. Aujourd'hui encore, elle revient avec détail pour vous donner les nouveaux chiffres qui ont caractérisé l'année 2020. Alors, on va l'écouter tout à l'heure et je vous donne déjà le menu de ce qui sera de son propos pour cette émission. Alors, Mama Pauline parlera d'abord de vœux pour des membres et des compatriotes congolais. Ensuite, elle va remercier encore les membres. Elle reviendra encore pour vous dire des faits marquants pour l'année 2020 qui a été caractérisée par beaucoup d'activités annulées pour cause de Covid. Mais elle vous dira tout ça en détail. Ensuite, elle rappellera les grands principes qui régissent les fonctionnements liés à la gestion et à la transparence financière de l'association RDC Monde. Ensuite, elle passera la parole à JPK qui vous donnera les comptes rendus de l'état des comptes de l'association RDC Monde pour l'exercice 2020. Mbote, bandiko na kanyoso RDC Monde, et puis ba compatriote nyoso na monde entier. Les lotos à le 30 janvier 2021, tous en à Genève. Nazane sengo lelo, na souhaité bino, ba bonne année, ba meilleur vœu na bino nyoso bisika bozali. Alors, boye biango, que chaque année, tope sa ka bilan, oya biso, pour l'association na biso. Sika oyo to bengisa ki bato msu baya bako mebele awa mais avec COVID-19 baya ki na bangote parce que il faut tomi bati la malade des ali nazane sengo mingi balemba ya ande na kutako lo basiko yo mais comme toza na Suisse on a faire déplacer balobi na biso condition il faut 5 personnes ya on a faire déplacer Pierrette à Outi Zurich à Outoko Masiko yo en tout cas Pierrette merci beaucoup ouais en tout cas, merci beaucoup. Mm-hmm. Chaque fois, là, tout ça, là, il y a des comptes, c'est-à-dire des semaines depuis tout le monde, vous êtes toujours là. Oui, merci beaucoup. Pour le Congo, problème, ils ont été. Tous ensemble. Merci beaucoup, c'est gentil, okay. Merci Derrière. Beaucoup. Pierrette à Outi Zurich, et puis, Nana Mobane Langaï, Azali Péawa, Papa Peki, Azali Awa. Merci, Nandega, vous êtes déplacé aussi pour vous aller là, Nabiso. Merci beaucoup. Okay. Merci. Et puis, il y a Willy. Azali Awa, journaliste Nabiso, hein? Merci. Et puis, na caméraman Nabiso, Noko Jérôme, Miguel. Merci beaucoup de vous disposer tant pour vous faire autant Nabiso. Boye ba, ma kamouni tout à l'heure, na RDC Monde. Alors, aujourd'hui, on va marquer. Je vais parler pour les faits marquants il y a 2020. Les faits marquants à 2020. Vous voyez, nous avons eu la COVID-19, qui a ravagé le monde entier. Ce n'était pas facile pour tout le monde. Et puis, Ami Balé, ma membre hier de ce monde, ma perdu ma membre et ma famille aussi, l'année passée. Et deuxième chose qui est vraiment capitale pour Nanga, ils ont touché personnellement, na perdre vraiment membre hier de ce monde en 2020, Papa Guy Kamanda. Est-ce qu'on peut garder une minute de silence pour Nabango? Vraiment. Merci beaucoup. Bon. En 2020, on avait prévu tout ça, le voyage, tout à Paris, à cause de la COVID-19, tout ça, aucun été. Donc, c'est tout ça là-bas. Publicité pour de ce monde, et puis appel de fonds, en fait. Mais tout ce qui tente pour la COVID-19, et puis si vous avez vraiment mon boulot. Je vais vous donner des messages, invitations. Pour les gens qui ont été en train de se faire, je vais vous donner des sessions de la Bango. Je vais vous tenter pour la Koya. Je vais vous donner des choses.
maman na biso ayebisakinga alobi tant on a nazo qui appelle yandiko Eliezer na Kinshasa que la diaspora congolaise bino bato bozali libanda ya mboka boko sale loko moko te pona mboka na biso oyo alors mbelela wana sina loba yango mais faut na répéter le pourquoi je dis ça maman aloba ki boy na bengi ye maman makambo na kota na yebite niveau to komela est-ce que na kota na makambo maman na biso alobi na ngai ki kota na yo ozana étoile na yo depuis bon mwana papa na za ko loba ozana mwana ilaka sali na mboka na yo alors luka maman apesa ki approbation ki na kota na yo kota pona likambo ya RDC monde et puis aloba ki na ngali ka moko mwana na nga foza na motema munene ya ko supporter yo boti o bazaba mikolo na yo o pe bazaba leki na yo o bazaba tata na yo na bana na yo donc il faut linga bango ndenge moko nga mama na yo ki pourquoi j'ai dit ça pour la 2020 na COVID-19 nga na habitude nga de pe bakolisa nga na ba parents na nga na sa ka batu mbongo te mais ezaki exercice moment munene na zoki téléphone na bengi ba membres hier de ce monde partout o nga na zaki na ba téléphone na bango na proposer bango to cotiser muke pour tout tinda quelque chose pour na pesa moninga sourire et mbala liboso to pesa ki $1000 tout tinda ki chasa pour na pesa moninga sourire ba msusu ba yoko yoka na sima ah maman Pauline o bosani biso o lobi na biso te gabi a tout cas soki bolingo botinda boko benganga ba yoko benganga sous la deuxième fois batindi sundambo et ça et ça qui to sangisa ki komaki $540 tout tinda ki pour na pesa moninga sourire ya ona zo lwande maman alobaki o boti bango ngasi ko na za maman na bino ba membre o bato sa ki ta ona benga ki bango j'étais gêné hein na ko ko sala yango te mais na benga ki bango ba yoka kinga to kotiza ki mbongo wana o ya bino yango yo merci beaucoup na botosi o bosala ki na lina rendre hommage na maman pinga RDC monde bino boza ba pilier bobanda na nga na 2018 pour na contribution en bongo 2019 boza toujours na kati tokoti 2020 boza toujours na kati yango na lobby ba mapinga RDC monde boza komiye ba partout na monde ba socle RDC monde boza komiye ba na RDC monde partout dans le monde yango na lobby été ba mapinga RDC monde ba bisou ba membre de ce monde bisou na bino na tiki sikoyo JPK apesa ba détails graphiques pour boye ba expliquer ma khamiso ndi zoli ka na évolution à banque poye mutu na pona domaine na ye nga la sisi yanga ya kotina wo ya ye papa JPK na tiki lo place bonjour mes mères veut bonne santé surtout pendant cette période de confinement pandémie Covid 19 oblige mais cela ne nous empêche pas d'aller de l'avant. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les bilans de 2020 de RDC Monde. Mais avant tout cela, je tiens à me présenter. Moi, c'est Monsieur Ntumba Kaninda, Jean-Paul. J'habite Belgique et je suis chargé informatique de RDC Monde. Alors avant d'aller plus loin, je tiens sincèrement à féliciter Maman Pauline Lumumba et Papa Mabanza Peki pour les efforts qu'ils ont fournis pendant cette année 2020 pour nous créer un bon studio au Congo et nous mettre à notre disposition le YouTube Télé qui nous appartient tous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des événements, des mariages, des fêtes et des publicités à passer, contactez Maman Pauline et vous serez satisfait. Alors, allons droit au but de notre rencontre d'aujourd'hui, nous allons voir les statistiques sur le bilan 2020 de RDC Monde. Comme vous voyez à l'écran, le graphe que vous voyez ici, ça représente le mouvement dans la banque de vos dons et la tracée verte, c'est la somme de recettes, de dons reçus et les dépenses effectuées au sein de la banque. Comme vous voyez ici, le tracé rouge ne descend qu'une seule fois, très bas. Ça concernait les dépenses
de l'ouverture de frais judiciaires, ainsi de suite les dossiers de mise en marche de notre association RDC Monde. Nous avons atteint un pic de 3781 francs suisses en septembre 2018. Nous avons atteint un pic de 3019 en juin 2019 et le dernier pic était en décembre 2020 de 1817 francs suisses. Donc, les petites dépenses que vous voyez ici en rouge, je vais le montrer en sous forme de tableau. Donc, ça concerne bien, comme vous le voyez, le fait de déposer l'argent à la banque, parce qu'il y a des personnes qui nous envoient de l'argent via le service des transferts monétaires. Maman Pauline doit amener ça à la banque et à chaque transaction effectuée devant le guichet, ça nous coûte de l'argent. Donc, comme vous voyez ici, ce n'est pas vraiment énorme. Donc, 10 francs suisses en décembre 2020, 13 francs suisses, ainsi de suite, qui fait un total de 3853, y compris les frais de l'ouverture du dossier. Ensuite, nous avons des recettes du juin 2018 à aujourd'hui. En tout cas, bravo les Congolais. Ça, il n'y a pas de doute. Mais je suis sûr qu'on va encore faire mieux. Nous avons versé 48 171 francs suisses. Bravo! Bravo à nous! RDC Monde et Loko Yamakasi. Donc, au total, aujourd'hui à la banque, comme vous allez voir ici, nous avons 44 318 francs suisses. Donc, je vous ai fait capture d'écran pour vous montrer ce que nous avons réellement à la banque. Comme vous avez vu, la situation bancaire au 20 janvier 2021, c'était bien des 44 318 francs suisses. En tout cas, chapeau. Et je suis sûr qu'on va tripler ça en 2021, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer ensuite le recette en par pays. Ça, c'est ce que les gens aime bien voir. Donc, comme vous le voyez ici, je vais vous citer les noms de tous les pays qui ont participé à RDC Monde et je suis sûr que ce tableau va encore s'allonger par rapport à cette année comme par rapport à l'année passée. Nous avons l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Écosse, l'Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, l'Angleterre, UK et les États-Unis d'USA. En tout cas, maintenant, comme vous le voyez là sur le camembert, je vais le montrer autrement comme ça. Vous allez bien voir quel est le pays qui est resté constant et qui contribue énormément. Alors, le premier pays, comme vous voyez à l'écran, c'est la Suisse. Ah ben, maman Pauline, tu travailles bien dans ton pays, hein? Bravo, hein? Bravo les Suisses, hein? Toujours le premier. En tout cas, c'est un pays déjà connu pour votre sérieux. Et continuez comme ça. Belgique vit en deuxième position. D'abord, la Suisse, au total, à ces jours, il a contribué 15 260 francs suisses. Et nous voyons en mauve, donc c'est-à-dire la contribution avant 2020. Et en bleu, c'est les contributions de 2020. Comme vous voyez sur le graphe, ça représente en mauve une année et demie presque. Donc, la Suisse est restée constante. En tout cas, très constant même. Je dirais même beaucoup mieux en 2020. Et pourtant, c'est l'année où on a connu les pandémies de COVID-19. Mais la Suisse a montré sa bonne volonté. Je pense même que c'est même eux qui font beaucoup des ordres permanents. Alors, tout Congolais, n'hésitez pas à faire des ordres permanents. 10 francs suisses n'est pas trop demandé. Et ce qui va donner plus, ça sera encore magnifique. Donc, Suisse est le premier à verser beaucoup dans notre contribution de RDC Monde. En 2020, 5505 francs suisses. Et l'année et demie passée, 9700. 56 francs suisses. Bravo la Suisse. Et après Suisse est suivi de la Belgique. Mon pays. Deuxième. Bravo. Bon, on ne devait pas dépasser Maman Pauline parce que c'est son pays. On dirait qu'il a travaillé moins.
Jean-Paul, chapeau, hein? La Belgique te suit, c'est très bien. Allez, Belgique, 9 337 francs suisses. Chapeau. Et on a gardé la constance, c'est presque le tiers de 1,5 an, mais on a diminué un tout petit peu. Bon, la Belgique est petite par rapport à la Suisse, hein? Avec la Covid, c'est la raison de tout le monde cette année. En 2021, ça ne sera plus la raison, hein? Parce que ça commence à se calmer là. Alors, le troisième pays, c'est la France. Chapeau France. Mais comme vous voyez, la France, il est à 8 687 francs suisses. Un peu moins en 2020 parce que eux aussi, ils ont connu beaucoup de problèmes, hein, avec le Covid. Après la France, vient les États-Unis. Ah, alors là, un pays si riche qui, pour une fois, quatrième pays, États-Unis. Vous me faites un peu la honte là, hein? Le pays mondialement connu, le plus riche, mais vous cotisez que 5 776. Je suis sûr que vous allez quadripler ces montants ici, n'est-ce pas, avec votre nouveau président. Allez, 5 776 francs suisses. Donc, on a bien remarqué qu'ils étaient tellement touchés par le Covid, ils ont quand même pensé à RDC Monde pour cotiser 1008 cette année 2020 qui vient d'écouler. Après les États-Unis, vient l'Allemagne. L'Allemagne, 3000. 600 et 2770, 2727 francs suisses, d'où cette année ils ont versé 684 francs suisses par rapport aux une année et demie passée de 2043. Donc ils ont aussi un peu baissé, mais nous sommes sûrs que cette année 2021, on va quadripler le montant. Après l'Allemagne vient la Norvège. Non, oui, c'est bien. Vient l'UK. L'Angleterre, qui a aujourd'hui 1 228 francs suisses. Après UK, nous avons la Norvège. Ils sont presque à égalité, une différence de 21 francs suisses seulement, qui sont à 1 207 avec 353 durant l'année 220 et 854 l'année et demie passée. Après Norvège, nous avons la Suède, montant de 1039, très constant, même beaucoup mieux par rapport aux années précédentes. Ils ont versé 451 francs suisses. Après la Suède, nous avons, si je ne me trompe pas, l'Italie. Bravo l'Italie, qui a gardé la constance par rapport à l'année passée. Ils sont à 465 francs suisses. Après l'Italie vient l'Australie, 349. Après l'Australie, vient la RDC. En tout cas, bravo RDC. Vous ne restez pas derrière tout le monde. Et en tout cas, ça c'est à féliciter. Ils sont à 213 francs suisses aujourd'hui. Et ainsi de suite. Comme vous remarquez les autres, il y a beaucoup de nouveautés à Canada qui est vraiment resté en arrière. Canada, vous faites la honte là. Hein? On compte sur vous pour... aller plus loin. Alors, on a de nouveaux pays qui sont ajoutés comme Danemark, l'Écosse, l'Espagne, ils sont à la traîne, comprenez? Il y a la Finlande, il y a l'Irlande et beaucoup d'autres pays qui nous ont rejoints, Jordanie et Luxembourg et ainsi de suite. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde. Nous espérons atteindre le montant minimum de 100 000 francs suisses pour vraiment lancer un projet viable au pays et nous comptons sur chacun de nous pour pouvoir atteindre ces montants parce que c'est un conseil donné par la banque et beaucoup d'autres conseillers financiers pour commencer vraiment un projet viable. Alors nous comptons sur vous. Encore une fois de plus, je tiens à féliciter chacun de nous d'avoir fait confiance à RDC Monde et nous allons continuer à vous présenter les bilans et la transparence de tout ce qu'on fait au sein de notre association RDC Monde. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous voulez des programmes pareils, contactez-moi. Je vous servirai avec plaisir. En tout cas, RDC Monde, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Ciao. Voilà, bah principe après ça qui est tout en qui compte à Genève. Il y a Liboso, pas de retrait à la Genève. Il y a Mibale, compte les individualités. Il y a Misato,
faut réaliser des grands projets. Yamine, quand vous avez un projet, vous avez un projet en Suisse, et à ce que les transactions doivent se faire de banque en banque. Donc, je dois répéter chaque année. Chaque année, pour bato ya sika ba yoka na o baza ya kala peut-être ba yoka ki en route pour comprendre. Ya route déroulement et za kandenge wana. Ya ngone na kokota makambo ya conseiller ya banque. Conseiller ya banque bien que na mois de novembre na kei na monier. Ngo to fungola ki compte wana na ki na souci makase. Pona mboka nanga. Na yebisi bango aide-nous. Pour tout développer, un beau cannabis au babé. Hey, madame, ok, moussika. Qu'est-ce que l'ingo le banine? Gabi, bon, peut-être que ce soit astuce, ou bien qu'on te cause ça la poto avancé. Mais baloba qui n'a pas boy. Bon, banane, ma camounabino. À ma grande surprise, novembre, yoko benganga. La kei, est-ce que l'ingo le banine, non, problème, les athées, ou le bakin abiso été, toi et débino. Est-ce que, beaucoup ça la vraiment, minimum, 100 000 francs suisses, et sa proposition, bah, est posée bisoté. Kola qui sa, otuna ki biso, bon moni ndengenin. Bon sali, vraiment minimum 100 000 francs suisses. Et après, si vous avez 100 000 francs suisses, bon bon sali, peut-être projet moko, et a 10 000, et a 20 000 dollars, ou y a 30 000 dollars, comme vous voulez, parce que c'est un projet nabino. Alors, à ce moment-là, vous décidez montant pour que vous soyez dans le cannabino, vous avez un projet pour vous. Mais projet, vous avez un lobby, vous avez un lobby, vous avez 30, 40, 50 000 pour vous. Mais il faut un projet tant que vous avez un lobby rentable. Ça veut dire, vous avez un lobby. Ata boko pesa ba misala to ba bloko nini na yebi na ngate mais zo amboka na mbongo to bimisa e compte ezo ki sa susuna banque na biso et en même temps bino ba to bozo cotiser mbongo na bino ba 10 francs na bozo continuer bozo continuer bozo continuer il faut projet o ko bota mbongo ezo ki sa na banque eza proposition o ba pesa ki biso ba lobby ete so bosali bongo boko katana ka jamais. On connaît les Africains. Les Africains, c'est toujours donner, 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 retour et zalakate. Rabi, ah, les canistes, ça qui toko, au bolobi nanga, na koumé la bande de konanga, pour na faire comprendre les bango. Y'a on a élimino les solo yo. Ba imposé bisote. Ba lobi na biso kakake. Bosa la boye. Yom totuna ki biso. Soki boke na lulenge wana, bokosa la, bokosa bloko ya kitoko, bokosa ba entreprise na mboka na bino ebele ebele. Alors comme chaque chose a une fin, donc nous sommes donc à la fin, au terme de notre mission d'aujourd'hui. Vous avez été servi avec des chiffres, avec des projets, avec tout ce qui a été dit. Donc nous avons eu ce plaisir là et nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous disons merci et nous donnons rendez-vous pour l'année prochaine pour la même chose, c'est-à-dire parler des chiffres, parler de la RDC Monde. Merci beaucoup et à la prochaine.